Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Ultra Soleil. Continuons tout cela. La dernière fois nous avions bouté le cucu de Guzma, et bien comme il faut en plus. Du coup, je pense qu'on va passer à la prochaine île, mais je crois qu'on va combattre Dan avant, si je me souviens bien. J'en suis plus sûr. Mais il me semble que oui, avant de partir, avant de prendre le bateau, on devrait le combattre. Dans la logique, vu que c'est le doyen quand même. Guilibus. C'est vrai. Du coup, on va devoir aller l'aider avant. Salut Yann. OK. Il veut passer ses nerfs sur quelqu'un. Très bien. Ça va et toi? Du coup. Là, je me rends compte que j'ai plus tant de niveau que ça d'avance. Je fais attention. J'ai acheté en urgence des écouteurs, faut que je les achète moi aussi. Un de mes écouteurs sur deux qui fonctionne plus. Il a pas de type particulier, je crois. Éviter quand même le type normal. C'était un Zoroark, très bien. Il me disait, Type Zero peut pas connaître Aboiement. Bizarre ça. Et voilà le vrai Type Zero. Bien cassé en deux. Ah putain. Du coup, c'est quel type ça? J'ai l'impression que c'est le type acier, mais j'en suis pas sûr. Non, c'est pas le cas. Bon, la dernière fois que j'ai dû changer l'écouteur, c'était mes lapins qui les avaient bouffés. Donc bon. Mais là, ça va. C'est juste qu'ils sont... Il y en a un sur deux qui fonctionne et c'est chiant, mais c'est même pas, tu sais, il n'y a plus de son dans un et du son dans l'autre. Non, c'est, il y a du son dans un et moins de son dans l'autre. Du coup, c'est un peu chiant quand t'écoutes. En fait, c'est limite pire que pas de son du tout.
Pas de problème. Comme ça, on va récupérer le truc. Je déteste aller quelque part sans écouteur. Ah bah t'es obligé d'écouter les gens. C'est horrible. Ça va être compliqué. Il va falloir fonctionner à la mâchouille. Agoraphobe. Je sais pas, ouais. T'aimes pas les gens. Enfin, t'aimes pas la foule. Je sais pas si c'est ça. Agoraphobe. Comment tu fais pour bosser dans des trucs où t'as beaucoup de foule comme les stades si t'es agoraphobe? Il y a une différence entre être agoraphobe et pas aimer les gens. Persian. Tu as besoin de te nourrir, t'as pas de choix. Oui, non, mais pourquoi t'as choisi ce boulot? Ou alors t'as pas choisi le boulot et tu l'as fait par. C'est pas toi qui as décidé quoi. Tu l'as fait par dépit. J'ai choisi le. La ténébreuse alate. Nouveau badge. Oh, quand je travaille, il n'y a aucun souci, je peux prendre sur moi. En tout cas, il y a des collègues dont j'ai discuté avec eux, ils me font penser à autre chose. Ouais. C'est pas pareil quand t'es dans les transports et tout et que t'as les gens. J'ai jamais fait attention, mais les Ténébros Élites et la Spectros Élites, c'est exactement la même danse, en fait. Tu te fous de ma gueule, ça fait évoluer Pikachu? Bah oui, parce que au final, Pikachu, c'était pas dans ce Pokémon-là, mais dans Pokémon Arceus. Là, le Pikachu, il s'appelle pas Yann. Oui, c'était bien dans Pokémon Lune, mais au final, vu que Pokémon Arceus est arrivé, j'ai changé. Parce que Pikachu, il se faisait one-shot et il était inutile, donc soit je le prenais pas, soit je le faisais évoluer, en fait, simplement. Préviens-moi la prochaine fois que je peux pas... Ok. Faut regarder les vidéos, ça fait déjà un mois, presque. Yeah.
Non, en fait, j'arrêtais pas de perdre. Enfin, j'arrêtais pas de perdre. Il y avait Guzma qui était sous la pluie et tout, et c'était une vraie galère. Et du coup, bah, j'ai dû faire évoluer et monter de niveau tous mes Pokémon, sinon c'était impossible à passer. Je sais pas quel genre de Pokémon on va affronter là. Toi, David, oui. Vu comment c'est des enfants qui regardent, je veux pas insulter. Intrus détecté, mode extermination activé. Que se passe-t-il? Petit passier. Si c'était Genshin Impact, oui. Oh, que ce soit Genshin Impact ou Pokémon, je pense pas qu'il y ait besoin de lancer des insultes. Ça, je me suis rappelé toute la saison 1 de Fire Force. Ah, t'as choisi Fire Force au final. T'as hésité. Pas ou quand on va envoyer Pikachu. Son dernier Pokémon, on peut faire ça. Ça a l'air bien Fire Force, faut que je regarde. Ça ressemble beaucoup à... merde, comment ça s'appelle? Au gars qui se transforme en démon, Blue Exorcist. Enfin, pas au niveau de l'histoire, mais les graphismes me font penser beaucoup à Blue Exorcist. Quand je pense si j'étais en méga évolution, le bluff il one-shotterait. Blue Exorcist, j'ai bien de tout terminer, je crois. Je t'avoue que j'ai regardé jusqu'à quoi. J'ai regardé, en plus c'était au milieu, ils ont fait un animé, mais ils avaient fait l'animé avant la suite du manga. Donc du coup l'animé n'a rien à voir. Et ensuite ils ont refait Blue Exorcist, mais j'ai pas vu la suite, du coup. Jusqu'au 14e épisode, je crois. C'était une manga originale. Ensuite, ouais, voilà, c'est une série inventée, c'est ce que j'ai dit.
Il n'y aura jamais de suite en dessin animé. Bah, ils ont ressorti, il me semble, la suite, la vraie suite en dessin animé. Mais ils n'ont pas été très loin, quoi. Ils ont fait genre 12 épisodes de plus, quoi. Il n'y aura pas de suite parce que c'est trop vieux, je pense. Enfin, remarque, hein, avec Bleach qui revient, on peut toujours espérer un jour. Il suffit juste que la hype remonte un peu. Pour que les studios se disent, ah, bah, ça peut être rentable. Que je bon, je sais pas. Bon, non, je me trouverais bien les mangas papier un jour. Ça fait partie des trucs que je dois m'acheter. Donc. D'ailleurs, manga papier, ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas acheté. Je fais passer en priorité les cartes Yu-Gi-Oh! Avant les mangas là en ce moment. Parce qu'évidemment, je prévois un budget serré avec ce que je gagne. Je ne fais plus de manga depuis au moins 4 ou 5 mois. Bon. Par rapport à One Piece, génial. Ce qu'il a fait, c'est un génie, ce mec. C'est un dieu. Bah, se demander si. Oda n'est pas le vrai Joy Boy. Petit ratissement. Toxique. Ok. Après, le problème, c'est que je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent Pokémon, qui regardent également One Piece. Donc, je veux pas en parler en profondeur sur ce stream. Adoré la réaction de Dami et l'autre, ouais, en pleurs comme ça. Qu'il a torche. Enfin torche. La torche corps ardent, pardon. Tu postes la vidéo quand? De quoi de ça? Dans 4 jours normalement. Mais ça change rien au fait que même si les gens voient pas, il y en a qui regardent l'animé uniquement, même si ça a fait tellement de vagues sur Twitter que je suis sûr que même ceux qui regardent l'animé ont été spoil, tu vois. Mais bon, on sait jamais. Mais comme je disais à Matt hier, ça a fait tellement de vagues et il y a eu tellement de spoilers en une semaine que le jour où le One Piece est révélé, mais même toi qui vas plus sur les réseaux sociaux, qui reste enfermé chez toi, tu seras spoil, quoi. Ça va être impossible de ne pas se faire spoil. J'appuie sur la flèche de bas.
pas comme ça, voyons. Non, je sais que toi tu spoil pas. Mais comment dire, quoi. Même les personnes qui se protégeront le plus au maximum, ils seront spoil, quoi. C'est fou à quel point les gens sont à fond dans le spoil sur One Piece. Après, c'est peut-être parce que je suis la série assidûment que je remarque ça. Mais quand tu regardes d'autres histoires, je sais pas si t'étais là quand on en parlait l'autre fois, mais par exemple, moi, quand je me réincarne en slime, ça existe en light novel. Et bah, personne n'a jamais dit, n'a jamais raconté la fin du light novel, quoi. En spoilant les gens. Alors que One Piece, sur un light novel, on saurait déjà ce qu'est le One Piece, mais les gens, ils spoileraient à fond, quoi. Il n'y aurait même plus d'engouement, du coup. Tu te répètes, papy. Bah, je savais pas si t'étais là ou pas, c'est surtout ça. C'est mon arbre. Mais en tout cas, je suis choqué. Vraiment, par cette culture du spoil. C'est... je pense que c'est le choc qui me fait me répéter. Ça aussi, j'ai déjà raconté, mais c'est à cause de ce genre de truc que Attaque des Titans et Game of Thrones, j'ai jamais pu m'y intéresser. La culture du spoil. Ok, parfait, j'ai battu tout le monde, on y va. Sorbonne. Ou Sorbonne. J'espère qu'on n'entend pas, mais vu que c'est le printemps, il y a les fermiers qui profitent du beau temps pour aller faire des trucs. Il y a des tracteurs qui arrêtent pas de passer sous ma fenêtre. C'est moi où la journée ça passe vite. Bah il est déjà 15h, ouais.
J'entends rien. Oh, ok. Parfait. Mon casque fait bien son taf. Il va être résistant. Est-ce que j'ai quelque chose pour le passer, lui? Ah, je pense que Magmar est une de mes seules solutions. Et il fait hyper mal. Très bien. Mais elle a la puissance Z. Une heure de sommeil et une heure de travail. Yes, la nuit il va passer vite. Mais c'est déjà le cas. Hein. C'est le cas depuis samedi soir qu'on a perdu ça. Garde de nuit ce soir? Oui, et mercredi. Ok. Mais bon, vu que... Vu que le changement d'heure est déjà passé, ça va pas passer plus vite, du coup. Ça serait passé plus vite si c'était samedi, mais... Hein. Vitesse, ok. Psychologie, ça aide. Tu te dis psychologiquement que t'as perdu une heure, donc t'as une heure de moins. Non, mais c'est ce que je dis, ça aiderait si c'était samedi, mais c'est pas le cas.
que ça veut dire aussi que tu commences plus tôt? TG, moi ça aide. Oula, je sais pas ce qu'il a le jeu, mais... Il arrête pas de ramer. Ah mais c'est un combat double aussi. C'est vrai que ça aide pas vraiment. Des claques, moi, à ces gars. 5 jours de travaux, dont 2 pour moi. C'est-à-dire. Oui, je suis sérieux. 5 jours de travaux, donc 2 pour moi. Je comprends pas. T'as dit que tu bossais mercredi et ce soir, oui. Ou alors tu voulais dire donc 2 pour moi et pas donc 2 pour moi. Tu me tues. Bah surtout que je comprends pas ce que tu veux dire en fait. Pour toi ça paraît logique, mais pour moi ça l'est pas. Je repars à Gladio. Oui. Oh, faut que j'aille voir là-bas. Ok. J'ai peut-être pas regardé partout.
Ne reste pas un autre fait 3 jours. Oui, donc c'est pas donc de pour moi. En fait, si c'était 5 jours de travaux, c'est pas 5 jours de travaux pour toi du coup. Moi, ce que j'ai compris, c'est 5 jours de travaux pour moi, donc 2 pour moi. C'est ça que je comprenais pas. C'est aussi simple de dire je travaille 2 jours dans la semaine et un collègue travaille 3 jours. Voilà. Deux égale à travail. Il y a 5 jours de travail, dont 2 où je travaille, et pas donc 2 pour moi. C'est pourtant pas compliqué. Bah, dans ta tête, ouais, mais à l'écrit, en fait, on comprend pas forcément. C'est le problème de parler à l'écrit. Ça. Aussi. C'est comme quand t'envoies un message à quelqu'un et qu'il comprend pas le sens de ton message, en fait. Brahmad va t'expliquer. Bah non, mais maintenant j'ai compris. Dans tous les cas. Tu as combien de temps là dans l'épisode? Oh, on est dans 40 minutes! Ouah, je fais pas du tout attention à ce que je fais. On va s'arrêter là. Hein. Will Smith a frappé Chris Rock. Je regarde pas ce genre d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Cérémonie des Oscars? Ou un truc comme ça? Non? Un truc du genre quoi. Bon, en tout cas sur ce, je vous dis à tous ciao à place et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez, salut à tous!